Voilà, des amis m'ont demandé de filmer l'olivier. Eh bien voilà, je fais. Il n'y a qu'à demander, je fais. Voilà l'olivier, s'approche. Des arbres, des herbes ont poussé. Verte, c'est joli. Alors on dit qu'il y a des mauvaises herbes. Non, je pense pas qu'il y ait des mauvaises herbes. C'est des herbes qui gênent pour la pousse de l'autre. Dans la nature, il n'y a rien qui est mauvais. C'est juste ce qu'on fait quand on veut surpasser la nature. Voilà. Voilà l'arbre, paisible, et je vais en profiter aussi donc pour filmer le ciel. Voilà, donc le soleil. Voilà, c'est fait. Hop là pour l'arbre. Fais le tour. Un petit peu le feuillage, ce qu'il y a. Des cailloux en dessous. Bon, hier j'ai regardé un live là de Pascal Tréfenguy, voilà c'est ça. Connaît beaucoup de choses, mais bon, très intéressant quand même. Beaucoup de monde donc sur sa chaîne, beaucoup de monde qui le suit. Alors il dit qu'il est dans une loge mais qu'il n'est pas franc-maçon, enfin je n'ai pas tout bien compris. Bon, il y avait des questions récurrentes qui revenaient, est-ce que tu es franc-maçon, dans quelle ordre tu es, etc. Et notamment donc j'avais eu donc sur le plateau d'un certain Mehdi Benoir, donc bon j'ai pas tout regardé évidemment, c'était long, mais j'ai écouté des choses intéressantes. Il parle du Reiki, donc voilà, 1% du Reiki. En fait, bon, ils ont quand même ces trucs, quoi. Il vend bien, c'est un bon vendeur. Ça c'est sûr. Mais il connaît bien, il connaît beaucoup beaucoup de choses. Il connaît beaucoup 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 de choses. Après, bon, apprendre et à laisser. Voilà mon avis là sur Trifengi. Ou Trifengi, je sais plus. Pascal. J'ai du mal avec le nom. Ouais, Trifengi, voilà. Et ouais, donc bon, il a converti en fait un mec qui était platiste, il a converti un platiste brésilien qui faisait le mec théorie du complot. Et il lui a démontré par A plus B, X, Y, Z, le compas, l'équerre, le rapporteur. Et le reste, le marteau et l'enclume, que. Ah ouais, mais lui en même temps, c'est un mec qui fait de l'astrologie, donc tu sais, tu peux pas, enfin peut-être pas, je sais pas. Voilà, donc bah, écoutez, je vous laisse. Moi, je suis dans la réflexion. Si vous avez des réponses à mes questions, ben, laissez-les dans les commentaires. Voilà. À bientôt.